Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Jeudi 1er juin 2023, nous recevons Moïse Hangi, militaire de la Lucha. Moïse, ça va? Ça va très bien. Ça marche? Au rythme de la nature. Ah, c'est nouveau moi? Exactement. C'est juin qui... On commence déjà avec le mois de juin. Oui, oui. Là, on espère que ça va très bien se passer. Avec la bénédiction divine. Il t'a de la lucha. Indubitablement. Lucha existe toujours. Ça, nul doute. Sur papier, mais sur terrain, lucha, elle est quasiment inexistante. Nous faisons des actions partout. À Beni, on a organisé une série de journées ville morte, 5 jours. Et cette série a été respectée par la population. À Butembo, n'en parlons même pas. Au niveau de Matadi, les militants de la Lucha ont été dans la rue la semaine passée. Et au niveau même de Chilenge, au Kasai, il y a des actions qui se font. Et ici à Goma, nous sommes toujours en alerte. Et nous faisons le peu que nous pouvons faire, mais en tout cas, on n'a pas encore... fait trembler les terrains comme on les fait la rue. Et ça, nous vous promettons qu'on va reprendre notre rythme. Mais en tout cas, on reste aux aguets et nous faisons ce que nous faisons sur le plan communicationnel. Et peu des actions sur le terrain, mais qui ne sont pas consistantes ou encore des actions de grande envergure. Lucha RDC, c'est ça? Lucha RDC. Proche de... Proche du peuple. De Mukwege, c'est ça? Proche du peuple. J'ai dit Lucha proche de Mukwege ou bien pro-Mukwege? Nous n'avons jamais été pro-tel. La Lucha, c'est un mouvement citoyen non partisan. Ça veut dire nous sommes contre quelqu'un, encore moins pour quelqu'un. Et je crois que c'est cette notion de luchologie, vous en êtes au courant. Notre idéologie, donc la Lucha, c'est un mouvement citoyen non partisan. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Par contre, nous avions toujours été parfois pour un système ou contre un système. Nous n'avons jamais été contre les individus. Et ça, je crois que vous êtes mieux placé pour connaître ce genre de notions fondamentales et basiques dans la luchologie. D'accord. Merci. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des... On va se focaliser beaucoup plus en tout cas à cette prolongation de la Lucha, disons pas de la Lucha, de l'EAC. La mission de l'EAC, la force régionale, pardon, elle a été en tout cas prolongée jusqu'au mois de septembre. En dépit des contestations à Goma. Alors, comment vous analysez cela? C'est une grande déception pour nous, ce renouvellement du mandat de l'East African Community. Nous sommes très déçus de voir que les responsables de cette force inefficace et inutile, accusés de complices avec le M23, viennent de décevoir le vœu du peuple congolais en prolongeant les mandats jusqu'au 8 septembre. Pour la Lucha, pour nous, peuple congolais, c'est déjà une grande déception et nous estimons que la diplomatie congolaise n'a pas gagné son pari, n'a pas vraiment montré sa force. Mais tant pis, donc on n'a pas le choix après tout. Ah, et comment vous trouvez cela? Inacceptable, inadmissible. Et c'est décevant. Donc nous, on s'attendait à ce que, l'armée les disait le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Kenge, et même le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui était à maintes reprises en train de fustiger l'inaction et l'amateurisme de cette force sous-régionale. Nous, on s'attendait maintenant qu'il y ait son retrait. Donc l'EAC devait plier bagage, mais apparemment le ministre de l'intégration régional et sous-régional Mboussa Nyamwisi, qui nous a représenté dans ces assises, n'a pas été entendu et karma les responsables de l'EAC viennent de prolonger le mandat.
Pour nous, nous sommes très déçus, messieurs les journalistes. Un combat qui se solde vain de la lutte. Les combats continuent, la lutte continue. Nous avions fait le premier pas, nous ne sommes pas entendus ou nous sommes entendus à moitié et nous pensons que nous allons toujours continuer. La lutte va continuer jusqu'à ce que l'EAC parte, la sauvegarde, l'intégrité de notre territoire relève des forces armées de la République démocratique du Congo, le FRDC, lequel militaires ont prêté serment pour ce noble travail et non pas des aventuriers de l'étranger qui viennent ici pour leurs intérêts économiques et qui ne font rien depuis que l'EAC, ils sont ici. Ils n'ont jamais combattu l'M23, par contre, ils cohabitent ensemble et ils sont accusés d'être de mèche avec ces mouvements pro-Kagame et ces mouvements d'ailleurs de M. Paul Kagame. Les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est et ASEAN ont décidé, en tout cas hier mercredi, lors du 21e sommet de l'EAC, de renouveler les mandats de la force régionale de l'EAC en RDC jusqu'au 8 septembre 2023. Ces mandats devraient prendre effet ce jeudi, aujourd'hui d'ailleurs, 1er juin 2023. Des chefs d'État, William Ruto du Kenya, Evariste Ndayishimiye du Burundi, qui est président en exercice de l'EAC, ont pris part à ce sommet de l'EAC qui se clôturera mercredi à Bujumbura. Trois jours de travaux ont suffi pour évaluer minutieusement la conduite des opérations militaires menées par la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Dimanche, les chefs d'état-major des armées des États membres de leurs experts ont passé en tout cas au peigne fin de la situation actuelle sur terre. Lundi, les ministres de la Défense se sont réunis. La même question sécuritaire pour proposer de nouvelles orientations politiques à ce nouveau mandat de la force régionale avant que les délégations des chefs des États membres ne viennent à valiser cette prolongation. Seuls les chefs d'État burundais et kenyans ont pris part à ces assises. Le Rwanda a été représenté par son premier ministre, la Tanzanie par son vice-président, l'Ouganda par un ministre d'État, le Sud-Soudan par des ministres ainsi que la RDC par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi. Depuis leur arrivée en RDC, les troupes de la force régionale de l'EAC n'ont pas en tout cas attaqué l'M23, alors que selon le gouvernement congolais, leur mandat est offensif. Vous avez dans la rue de Goma, la Lucha, pour dire non. Mais la question aujourd'hui, parce que vous manifestiez contre cette force, même si aujourd'hui, parce que les mandats allaient être expirés aujourd'hui, c'est-à-dire l'EAC devrait se retirer, si jamais la force régionale s'est retirée, qui allait récupérer ou occuper les zones aujourd'hui, toutes ces zones occupées aujourd'hui par cette mission? Mais cette mission est venue. On croyait exactement qu'elle est venue lancer les offensives contre le rebelle du M23. Ce n'est pas le cas parce qu'ils ont instauré ce qu'on appelle zone tempo. Au-delà de cette instauration de la zone tempo, ils sont restés vraiment amorphes. Alors, est-ce que s'il se retirait de toutes ces zones occupées conjointement avec les rebelles, qu'est-ce qu'il y aura? Moi, je pense que l'EAC devrait laisser la place au FRDC. Donc, il devait se retirer et que nos forces armées reprennent ces espaces parce qu'après tout, nous sommes dans notre pays et ce sont des étrangers. Nous, leur avions invité et ils ne doivent pas être orgueillés jusqu'à ce point. Quand quelqu'un t'invite chez lui, monsieur le journaliste, et qu'il te dise merci pour tout ce qu'on a fait ensemble, je pense que c'est le bon moment que vous puissiez me laisser. Mais vous, la moindre des choses, c'est de partir s'il n'y a pas des agendas cachés. Mais quand vous refusez, visiblement, ça veut dire que vous avez quelque chose de très sombre. Et donc, nous, voilà pourquoi est-ce que nous continuons toujours à fustiger cet orgueil qui caractérise
les responsables de l'EAC. Vous évoquez l'orgueil qui caractérise les responsables de l'EAC, les mandats renouvelés, pourtant vous, population, vous ne voulez pas que cela soit en fait. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Maintenant, la prochaine étape. Maintenant là, nous n'allons cesser d'alerter les autorités parce que c'est à notre gouvernement, c'est à nous exactement, à travers notre gouvernement, que nous pouvons exiger le départ de cette force inutile. Nous continuons à alerter le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, le porte-parole du gouvernement Muyaya, les ministres de la Défense et toute la corporation, de tout faire pourvu qu'il ait assez pu se quitter. Le 8 septembre n'est pas très loin. 3 mois, ce n'est pas toute une éternité. Nous serons encore désolés de voir le président de la République croiser les bras. Et ça, ça va nous plonger dans une incertitude accrue parce qu'on sera en train de se rendre compte où on dirait que nous n'avons pas un président. Si tel sera le cas, si encore on va renouveler les mandats, ça veut dire que le peuple congolais, nous allons nous prendre en charge parce qu'on n'a plus de président. On en aura peut-être plus. Vous allez vous attaquer contre les Kenyans, les Sud-Soudanais, les Burundais. Nous prendre en charge ça, les contenus restent à nous. C'est nous allons définir ce que ça signifie. Mais nous espérons jusqu'à ce stade que le président de la République peut user de son pouvoir pour faire en sorte que l'EAC puisse partir. Parce qu'en amont, l'EAC devait réagir face à la barbarie du M23 et lancer les offensives, ouvrir le feu contre ces inhumains. Mais maintenant, là, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que le président de la République attend? Monsieur le président, vous attendez quoi pour faire sortir l'EAC de notre territoire? Monsieur le ministre de la Défense. Le président, c'est vous, le peuple. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez mené des actions qui ont échoué. Vous êtes découragé. Il n'y a eu aucun résultat. Vous faites quoi, vous, les peuples? Ce n'est pas le président. Il n'y a pas un président sans peuple. Qu'est-ce que les peuples congolais font? Nous ne nous sommes pas découragés parce que nous maintenons toujours le même élan. Et nous sommes juste décidés d'abord par cette décision. Et nous, on s'attendait, parce que le président de la République a été représenté par les ministres de l'intégration régionale. Notre sécurité ne doit pas continuer à être sous-traitée. L'agenda avec lequel Moussa devait aller au niveau de Bujumbura devait quitter de la présidence, c'est-à-dire le président de la République, Félix Tshisekedi, devait donner un message très clair à Moussa, comme pour dire nous ne voulons plus de la prolongation de votre mandat. Mais on a comme l'impression que même notre président se trouve embourbé ou manipulé par les responsables de cette force. Ça veut dire qu'il fait montre d'une certaine incapacité aussi à ce niveau, si on peut le dire, si je peux me prêter ces mots-là. La situation sécuritaire dans l'est du pays est une situation complexe qui dure depuis 30 ans. Et lorsque vous avez un État mercenaire qui s'appelle le Rwanda, qui se construit économiquement sur cette situation de guerre, vous avez évidemment des difficultés à les régler immédiatement parce que la problématique de la situation à l'est de la RDC est régionale, a déclaré Patrick Muyaya. Comment vous trouvez ça? Patrick Muyaya doit être aussi franc. Le fait là de vouloir toujours nous dribbler, nous, la population, ça nous inquiète au plus haut niveau. C'est bien bon de tenir ce genre de propos et ce genre de déclarations. Mais sur terrain, c'est rien parce qu'il est le porte-parole du gouvernement. Après, il commence ce verbiage-là, mais on a renouvelé les mandats. Il devait, conjointement avec les ministres de l'intégration régionale, obliger la levée ou le retrait de l'EAC. Mais maintenant, on proroge les mandats et puis il vient vouloir nous consoler, il vient vouloir nous cajoler. Donc pour moi, ça c'est un non-événement, c'est un discours creux du porte-parole du gouvernement et c'est décevant. C'est décevant, mais je n'ai jamais compris la route. Oui, c'est vrai, décevant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quand le ministre dit, voilà, c'est pas facile une situation qui perdure depuis plus de 30 ans, parce qu'il y a un pays derrière cette situation, un pays comme les Rwandais et tout le monde, on voit. Parce que le gouvernement ne va pas venir directement dans moins de 4 ans régler une question qui a perduré pendant 30 ans. Un régime installé pendant 30 ans. Et il faut quoi? Vous proposez quoi? Vous n'allez pas être décis sans proposer des pistes. Nous avions toujours été un mouvement alternatif
au-delà des dénonciations, nous faisons notre mieux pour faire des propositions et les plus souvent pertinentes. Quand le porte-parole du gouvernement parle du Rwanda, c'est bien beau, docteur Nignor, et ces combats-là, nous tous, nous sommes appropriés. Donc, nous dénonçons haut et fort la complicité du Rwanda. Mais là, ça ne suffit pas par là. Le Rwanda lui-même a été représenté dans ces sommets. Le premier ministre rwandais a été là-bas. Nous, on a été représenté par le ministre de l'intégration régionale. Plutôt que de surchauffer les assises ou d'être clair envers tous les pays présents, les ministres viennent ici devant la population pour vouloir nous dire non, mais ça c'est de la manipulation, messieurs les journalistes. Si on estime que le Rwanda continue à financer l'M23, ce qui est probablement vrai, et le même Rwanda fait partie des parties prenantes qui décident sur l'avenir de l'EAC. Mais le gouvernement ne se rend pas compte qu'il est vraiment malmené. La moindre des choses à faire, c'est de se retirer de cette force. Et jusqu'à ce stade, messieurs les journalistes, on continue à se demander qu'est-ce qui aurait motivé notre gouvernement à intégrer cette force sous-régionale, surtout sur le plan militaire. Peut-être sur le plan économique, on peut tolérer. Mais sur le plan militaire, moi, je ne comprends pas. Apparemment, le président était en plein sommet pour qu'on puisse... C'est ce qu'il demande des Congolais, oui. Monsieur le journaliste, je crois que le président de la République, il est le premier citoyen. Il est censé être le plus mieux informé, il est censé être en tout cas l'oreille et la bouche du peuple congolais. Quand vous dites que c'était sur demande des Congolais, je ne sais pas quel Congolais, hein, parce que avant qu'on ait déployé l'EAC, nous on était en train d'exiger le départ de la MONUSCO et jusqu'à ce stade. Mais qui devait dire, par exemple, c'est que la MONUSCO n'a pas été en mesure de faire, que c'est l'EAC de nos pays voisins qui vont résoudre ça. Donc pour nous, il y a tout un cercle vicié et le gouvernement se prend comme un petit enfant. Le gouvernement ne s'assume pas, ce qui est très, très tragique dans cette histoire. Moïse Katumbi n'a jamais dénoncé l'agression rwandaise, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, invité du journal, invité de marque CFR 24. Il n'a jamais dénoncé l'agression rwandaise, ça n'engage que lui. Mais ce qui est sûr, le Rwanda nous agresse et c'est très important à ce que tous les acteurs, tous les Congolais, opposition, majorité, nous puissions nous serrer les coudes pour dénoncer cette agression-là. Mais si quelqu'un ne s'est pas encore prononcé par rapport à ça, ça importe aussi peu. Ce n'est pas parce que Moïse n'a pas encore dit un mot par rapport à cette agression que nous pouvons concéder tout ce qu'il y a aujourd'hui. Le problème n'est pas... Avec l'Irak et Katumbi aujourd'hui, son influence, si le plan, que ce soit national ou international, est-ce que pensez-vous, pour lui, c'est digne en tant que Congolais de voir tout ce qui se passe avec toutes les accusations et tout ce qui se voit par rapport au Rwanda, son soutien envers le M23 et qui n'arrive pas à dénoncer. Pour vous, c'est normal? En fait, j'ai eu la chance d'attendre beaucoup de cadres et de l'ensemble pour la République partis cher au précité. Il ne cesse de le faire, il dénonce vraiment cette agression. Peut-être... On parle de Moïse Katumbi. Exactement, donc sa famille politique, je suis beaucoup de ces cadres, il tonne. Je parle de Katumbi, pas ses cadres. On sait qu'il a déjà les partis qui se prononcent, tout, mais on parle de Moïse Katumbi. Je crois que la moindre des choses à faire, c'est l'appeler aussi à pouvoir le faire, à pouvoir le faire parce qu'il en vaut de l'image de notre nation. Mais après, il n'est pas le ministre de la Défense, il n'a rien comme fonction publique aujourd'hui, il n'a aucun ministère. La Lucha, c'est une branche du gouvernement congolais. Exactement, raison pour laquelle nous le faisons pour des raisons de patriotisme et de nationalisme. Et Moïse Katumbi devrait aussi le faire. Pour moi, je l'appelle à pouvoir se rattraper et emboîter les pas comme nous le faisons. Il n'est pas encore tard. D'accord, alors on va se quitter. Tu regardes ma cam et lancer un message au fond de la RDC. Très chers militaires, très chers compatriotes, vous êtes parmi les gens qui ont décidé de se sacrifier pour la sauvegarde et l'intégrité de notre territoire. Toute la nation congolaise, nos ancêtres,
Nos enfants sont très fiers de ces nobles combats que vous faites en faveur de notre nation. Nous, comme Lucha, nous faisons peut-être le même combat à notre manière en tant que des civils et nous sommes très fiers de vous. Maintenant, là, notre pays est agressé par le Rwanda à travers les terroristes du M23 et nous ne comptons que sur vous. Faute de quoi, nous pouvons nous réveiller demain ou après-demain et une partie de notre territoire serait contrôlée sous ces rebelles. Nous comptons sur vous et nous pensons que le gouvernement, le président de la République, va aussi vous tenir les coups et vous donner tout ce qu'il faut pour bien assurer votre mission. Nous sommes ensemble et nous espérons qu'ensemble nous sauverons ce Congo, cher à Lumumba. À la lucha, pamoja, cher militaire. Merci mesdames et messieurs, merci à tout le monde. Merci chers téléspectateurs de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci.